Et après. Donc moi pendant que je spam ça les gars, je vais vous lire quelque chose. Le jeu est disponible sur PC et mobile. Le jeu s'appelle AFK Journée, mesdames et messieurs, point d'exclamation AFK Journée. Déchirez le lien, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et il y a 11 invocations gratuites si vous téléchargez le jeu, mesdames et messieurs, avec le code Lilith11AFKJ. Point d'exclamation AFK Journée, vous avez le code les gars. Et le code vous le rentrez dans les paramètres. Vous allez dans autres et après c'est dans les trucs, ok. AFK Journée est un jeu d'aventure fantastique au gameplay fluide. Vous découvrirez un monde RPG avec une histoire immersive, des magnifiques cartes à explorer, ainsi de nombreuses énigmes amusantes à résoudre, des ennemis intéressants à combattre et des coffres à payer dans le monde entier. Choisissez votre héros pour créer différentes formations et vous adapter à divers scénarios de combat. Découvrez des résultats différents en expérimentant diverses formations de héros. L'objectif de ce soir, mesdames et messieurs, c'est de créer une guilde. Mais pour créer une guilde, il faut que je sois AFK niveau 30. Et là, je crois que je suis AFK 7, c'est ça? C'est ça, là? C'est ça, mon palier? Mon palier, c'est mon level? Mais en x4, je peux pas, je crois. La guilde FC Moukous. Ouais, ouais. Ouais. Et merci Cartoon pour les zombies Camino, merci pour les sommes offerts. Il ouvre Twitch Prime, merci mon chéri. Bon, la stratégie a l'air bonne là pour le moment, ça roule, ça déroule. Hein. La stratégie a l'air bonne, il va falloir effectivement que je replace mes magiciens de temps en temps, mais là ça déroule. Hein. C'est clean. Magicienne, headshot. Niveau max, niveau 20. Honnêtement, mec, c'est bon s'ils sont niveau 20 max. Là, ils sont 23. Ah, mais c'est très bien ça, sauvegarder ma position. Bah, écoute, elle a l'air de bien fonctionner ma position. Il faut juste que je sois attentif pour voir s'il n'y a pas des bombes. Des bombes basses. Oula, enchaînement d'ultimatum. Oulala, ça va faire mal. Non, il fait trop mal, Valem. Valem fait trop mal. Faut que je sois pas les combien. Vous pouvez désormais utiliser le mode combat auto. Go, combat auto. Je n'étais pas déjà en mode combat auto, je comprends pas, les gars. Attendez, là ça veut dire quoi, les gars, le combat auto? Désactiver les animations, on peut. Quand vous pensez qu'il n'y a pas RP ce soir, les gars, je comprends pas comment ça fait 3 mois qu'on RP. Si vous êtes tant que ça hypé par le RP, les gars, pourquoi vous ne savez pas qu'il n'y a pas RP le mercredi et le mardi et le samedi, les gars, je comprends pas. Attends, mais là, il va enchaîner tout seul. Dans les paramètres, je peux. Attends, mais sérieusement là, il y a tout auto. Oh là là. Oh là là, attends, bouge pas. Oula, on a failli perdre Célia là. Pas good ça, pas très green. Pas très green ça, pas très green. Donne-moi ça, petit écureuil. C'est pas green ça, hein, c'est pas green. Alors, hop, paramètres. Combat. Activer l'animation des ultimes, jamais. Effet d'apparition des trophées, non. Toucher pour lancer l'ultime. C'est bien ça en vrai, comme ça. Ouais, vas-y, c'est quoi, c'est bon. Et alors comment les gars, c'est où les... Itinéraire auto on. J'en veux pas, j'en veux pas. Je veux pas voir les autres noobs.
Voilà. Alors je vais juste faire un petit tour sur l'amélioration des personnages. Parce que là, on est un peu en retard. Sur certains personnages, il va falloir que j'ouvre des boîtes. Hein. Il va falloir que j'ouvre des boîtes, les gars. Il va falloir que j'ouvre des boîtes. Pour être plus efficace, il va falloir qu'on ouvre des boîtes. Enfin, qu'on jette des lettres dans le vide. Alors, comment je jette des lettres dans le vide? Je crois que c'est ça, si j'ai bon souvenir. Hein. Ah, j'en ai pas assez, les gars. Bon, on va attendre d'en avoir 10 au moins, les gars, non? Que de faire du Jeanne spam, là. Allez vous faire foutre les demandes d'amis là, j'ai pas envie d'être vos amis. Quête. Alors on va récupérer des trucs. C'est comme ça, on va avoir des cadeaux les gars, il nous faut des cadeaux. Message. Non, non. Donne-moi des cadeaux. Je veux des cadeaux. Je veux des cadeaux. Ah, voilà. Ça j'aime bien ça. Voilà. Oh. Oh, waouh! 1000 gems! Ok, il y a des cadeaux que j'ai pas pris là. Oh, attends, mais toi, je vais te mettre dedans, en fait. On va te mettre dedans? À la place de qui? Toi, t'es niveau 20, toi. Donc, tu vas aller à la place. C'est quoi? C'est une archère, donc c'est comme elle. Ouais, mais après je perds mon bonus. Elle est montée niveau 20. Merci. Merci. Ok. Et là, en gros, il faut que je... Ok, donc c'est ce que vous m'avez dit, là. Si je monte les persos, ils seront, quand je les switch, ils seront quand même switchés, les niveaux. Donc ça, c'est cool. Non, les gars, là, il faut que je booste Célia, les gars. Headshot. Oh putain, niveau 29, les gars, ça va castagner. Oh, ça va castagner, les gars. Ça va castagner, moi je vous le dis. Je récupère, hein, je fais une séance récupération, les gars. Oh merde. Nous suivre. Donne. Quête. Récupérer. Ouh, j'ai failli oublier la en haut, les gars. Oh, c'est bien ça. Quête. Faut recliquer sur la quête, les gars. Regardez, j'ai trouvé un glitch. Oh là là, j'ai trouvé un glitch. J'ai trouvé un glitch. Recyclage rapide. Headshot. Ok. Attends, mais j'ai 19 lettres de recrutement, les gars. Pourquoi je peux pas en jeter, là? Boum. 2% Jan. Ah. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et c'est un vampire aussi, les gars. Un mort-vivant. Mage. 2% Jeanne. Il est bien, chat, il est bien. 3 violets, les gars. Attends, quoi? J'ai eu un autre. Attends, l'autre c'était un violet. Merde, c'était elle la... Oh merde. Attends, c'était qui le Jeanne? Oh merde, j'ai cru que c'était lui. C'est la best healeuse. Ah bon? J'ai quand même eu un Jeanne 2%, les gars. C'est quoi ma liste de souhaits, les gars? Alors, quelle est ma liste de souhaits, s'il vous plaît, les gars? Donnez-moi ma liste de souhaits, ici. Merci. Qu'est-ce que tu veux, toi?
Ouh là là. Alors donc c'est la best healeuse, hein, c'est ça. Comment je sais qui est une healeuse dans mon dans mon équipe? C'est elle? Non, elle c'est une archère, je viens de la rajouter. Lui c'est mon DPS, elle c'est mon DPS, ok. Les insignes. Sauvagnon, mage magique. Il est bien Vampirio là ou pas les gars? Vipério les gars. Il revive. Bon alors là, c'est quoi mon équipe là les gars? Soyons honnêtes. Elle remplace elle je suppose. Et du coup Vampirio il remplace qui? En late game il est S tier. Trop de chance sur les invoques. Ah j'aime bien quand vous parlez comme ça. J'aime bien quand vous parlez comme ça. Et là je fais qui là Vampirio le gars? Comme ça? Bim! Donc là, il faut que elle, je l'augmente également. Elle également. Et Vampirio. Aïe, 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 j'ai plus de jus, les gars. J'ai plus de jus. Elle était pas mal, elle, les gars. Achète des packs. Commencez pas, les gars. Commencez pas à me tenter. Mes mains n'ont pas l'air d'être liées pour le moment, les gars. Mes mains n'ont pas l'air d'être liées pour le moment, les gars. Le pack ultime. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Donne-moi. Là, donnez-moi. Oh ouais, donne. J'attrape. J'ai rien attrapé ici. Probabilité 2%, les gars, je l'ai eu à 2%. Je l'ai eu à 2%. C'est quoi la liste, ma liste de souhaits, les gars? C'est quoi? Elle est bien là? Ok. Putain, je peux pas encore recruter 10 des héros légendaires là. J'ai pas des nouveaux cadeaux là? Donne-moi des cadeaux là. Donnez-moi des cadeaux, je veux des cadeaux. Oh là, je suis surpuissant les gars. Avoir un perso orange, car il y avait marqué garantie dans 8 invocations. Ah bon? Salopard, tu as tout ruiné. L'événement recrutement boosté est ouvert pendant une durée limitée de 12 jours. Ensemble, préparons l'avenir. Recruter? Ah. Garantie en 40 recrutements. Elle est bien, Elsa? Donc là, les gars, c'est très simple. Il faut que je monte... C'est une tentative instantanée gratuite pour obtenir 120 minutes de récompense AFK. Pardon? Quelqu'un m'explique ce que je viens de faire là? Je viens de gagner 120 minutes de gameplay en fait comme si je jouais? Donc c'est comme si je jouais les gars, c'est ça?
Attends, et j'ai pas Vampirio là dans mon équipe, qu'est-ce qui se passe là? Ça va chier. Vampirio derrière. Là, toi tu vas là. Toi tu vas là. Ça me paraît correct. Ça me paraît correct. C'est parti mon kiki mesdames et messieurs. Est-ce que je peux les tuer là par contre? Mec! Attendez les gars, je trouve que il meurt pas assez vite. Les gars, vous trouvez que c'est carré là? Ah mais ils sont niveau 30 là les gars. Ah ils s'adaptent à mon niveau ces petits salopards. Non? Ils s'adaptent à mon niveau là j'ai l'impression. Isoropia, prends 72 heures pour respirer s'il te plaît. Va respirer 72 heures. Ça monte au fur et à mesure. Ouais mais tout à l'heure c'était niveau 25 quand j'ai cancel. Niveau 35, niveau max, niveau 35 là. Ah donc ça augmente par rapport à mon palier. Putain, niveau 35 les gars, je suis dead. Oula, 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 stop là. Je tue personne là. Allez, activez les gars, activez les ultis. Son du jeu trop fort, ok. Je baisse après. Viens, je te cache. Ça m'intrigue. Easy, niveau 15. Par contre, là, il faut que je monte niveau 15, là, les gars. Mais attends, mais j'ai eu beaucoup de récompenses, donc attendez. On va aller récupérer tout ça. Récupération rapide. Ah, j'aime bien. On va récupérer tout ça, les gars. Comme ça, on récupère. Qu'est-ce que tu veux, toi? Oh! Oh, mais jamais récupéré? Oh oui, donne-moi un petit écureuil. Y'a pas un mode équipement rapide, les gars? Je suis toujours obligé de faire ça. Putain, ils sont trop faibles là, les petits noobs. Ils sont trop faibles, mes petits noobs. Il faut qu'ils montent là, niveau 21, c'est trop light. Mais lui, il était même pas niveau 21. Game of the Year, mais tous les jours. Combat. Je sais pas si Vampirio est fort, les gars. Félix, prends 72 heures aussi, c'est vrai. Attends, mais là, regardez, les gars. Là, je les one shot. Là, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, les gars. Chat, est-ce que quelqu'un sait si j'ai fini le tuto ou pas encore? Je pense que je l'ai fini, là, le tuto, là. Gratuit? Je ramasse. Gratuit? Je ramasse. Gratuit? Albator. Il faut que je craque pour que soit ça gratuit. Gratuit? 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 1200%. Oh, mes mains ont l'air très liées. Oh.
formidable. Lune bleue. Ouh, attends, est-ce que je vais devoir l'affronter lui? Faut un coffre. Bon, le mec est juste devant moi. J'ai essayé quand même d'utiliser le truc auto, les gars. Eh, m'en voulez pas. Y'a un big boss là. Ah, je crois que j'ai pas le niveau encore, les gars. Faut que je monte niveau 28. Atteignez niveau 30 résonance. En vrai, y'a un monde, les gars, je peux le faire, je crois. Mais Vampirio, je sais pas s'il est fort, les gars. Après, là, les gars, j'envoie des cartouches. Hein. J'envoie de belles cartouches. Oula! Je me fais cartoucher, là. Alors, heureusement, j'ai la meilleure illusion du jeu, quand même. Mais là, ouais, j'envoie pas assez de parpaing, les gars. Merde, j'ai pas baissé le son du jeu. Mais là, y a un mec qui est en train de casser la gueule de la mailleuse, là. Est-ce qu'on a tué un ennemi au moins ou pas là? Voilà Vampirio, dis-lui. Je vais baisser le son 2 secondes, j'ai oublié. T'as qu'à me le rappeler en fait. Quand tu me vois là, il y a 3 secondes de délai sur mon stream. Quand tu me vois là, pourquoi tu me parles du son? J'ai pas accès aux paramètres. T'as trop de support dans mon équipe? Comment ça, j'ai trop de support dans mon équipe? Allons-y au royaume onirique. Attends, attends 2 secondes. Oh, putain. 2 secondes. Bon, je suis obligé. Niveau 29. Mais je te cartouche, mec. Je te cartouche comme je veux. Je te cartouche comme je veux, mon gars. C'est un support, lui? Ça c'est mon DPS numéro 1. Ça c'est mon DPS numéro 2. Ça c'est mon tank. Et ensuite il... Bah voilà. Easy. Voilà, c'est bon, il focus bien mon tank, les gars, à gagner. Attends, il y a 29 barres de vie à supprimer. Waouh. Heureusement on n'a pas encore ulti. 11%. Oula! Il me casse la gueule! Chat, est-ce que vous pensez qu'à mon niveau je peux faire un glac 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 comme ça là? Genre je peux vraiment l'exploser. Ah, il va me tuer. Il peut pas me tuer, il peut pas me tuer. J'ai la meilleure idée du jeu. Ah les gars, c'est cool, regardez, j'ai la meilleure healer du jeu, les gars. Il peut rien faire. Un peu fort le son. Tiens, regardez, je vais le mettre encore plus fort, les gars, juste pour faire chier. Ok. Tiens, c'est bon. J'ai baissé le son. Je vais le baisser après, les gars. Ok, je vais baisser. Je suis mort. Chat, je suis mort? Je suis quand même dans le top 68%, hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Je suis quand même dans le top 68%. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, baby. S'il te plaît, j'en ai besoin. S'il te plaît. S'il te plaît, Jeanne. Jeanne? 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 Non, non, je l'ai... Non, c'est bon. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, j'ai compris. Elle est bien, elle, non? J'ai gagné un Vampirio. Oh, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. J'ai gagné un Vampirio, les gars. Oh,
Ça, c'est vraiment bien, les gars. Bon, alors, toi, il faut que je te booste, mec, parce que tu me fais tiep. Il faut que je monte niveau 35 plus, là. J'ai envie de all-in sur Celia, les gars. Je monte tout le monde 35, les gars. J'ai plus d'argent. Je suis à sec. Les gars. Attendez, j'ai un artefact. Ouh. Très bien. Attends, je peux améliorer autant que je veux l'artefact. Attention, attention. Attention, attention, attention. Attention. Tain, il me faut plus de récompenses, il me faut plus de trucs là, les gars. Je crois que mes mains commencent à être sacrément liées, les gars. Mes mains commencent à être sacrément liées, les gars. Inventaire. Ah voilà, attends, j'ai des trucs. Ça je peux pas les utiliser. Utiliser. Oh. Ah merde. Mais non, mais je les ai pas ces personnages. Attends, du coup j'ai obtenu ces personnages. C'est bien. Chat, dites-moi si c'est passé un truc de fou là. Ok, dites-moi si c'est passé un truc de fou là, dites-moi, j'ai besoin de votre aide. Voix des nobles. Ouh. Débloquer le carnet secret. J'ai envie là, j'ai envie, ça marche bien, ça marche très très bien. J'ai envie. J'ai envie, ok, ça c'est un espèce de battle pass, c'est ça. Donc t'as le carnet marrant et après t'as le carnet secret, ok. Ah j'ai envie hein. Ah là, ça marche bien, ça marche bien. Ça marche bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait là encore là? Ok, donc là, il faut absolument que je fasse la quête. Faut que je trouve Valen. Je trouve Valen. Et... Oh bah voilà. Voilà mon gars. Ça j'aime bien ça. Voilà, ça j'aime bien ça. Oh là 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 là. Pourquoi il y a un petit bouton là? Attention. Non. Esquive, esquive. Oh, je peux pas. J'ai... T'avais besoin de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas là. Pourquoi on me dit attention bouton là? Quoi? Parlez français, les gars. Un seul qui parle français, s'il vous plaît. Attends, je suis en train de me faire casser le cul là. Ok, vous êtes toujours en train de troller, les gars. Faut que je peux plus aussi. Ok. Après, les gars, il faut que... Vincent, tu t'en sors très bien. Merci. Voilà. Ça, c'est un message qualitatif. Merci. Est-ce que quelqu'un peut time out Google, s'il vous plaît, les gars? Et des modos, pas des modos d'habitude, tu sais, des nouveaux modos, des... Voilà, hein. S'il vous plaît, les gars. Voilà, Léandre. Mais il faudrait genre un modo qui est jamais là, genre, tu sais, qui time out Google, s'il vous plaît. Genre le Shaoui, genre Shulk 7, t'es qui, toi? Voilà, il me faudrait des mecs comme ça. Et vous le time-atez, vous lui mettez 107 secondes et vous lui remettez en boucle jusqu'à la fin du live, s'il vous plaît, les gars.
Voilà. Merci beaucoup. Allez. Enjoy. Oh, wow. Attends. J'ai toujours pas là. Il y a des cadeaux là. Il y a écrit qu'il y a des cadeaux. J'ai pas de cadeaux. Il dit quoi, Google? Bah, je sais pas, il troll les gars, il troll, il est toxique dans le chat, genre. Attends, je voulais peut-être augmenter un peu mes personnages. Je sais pas si j'ai eu assez d'argent. Faudrait que je les fasse monter niveau 31 déjà, tous. 31, du coup je débloque une nouvelle attaque. Vampirio. Crow en sorcelant. Chat, ils ont, quand ils débloquent les attaques, ils les ont tous ou c'est à moi de les mettre? Coffre d'équipement, tout ouvrir. Ah! J'aimerais bien avoir un meilleur équipement. Tout est automatique. Très bien, très très bien, très très bien. Très très bien. Ok, niveau 31, tout le monde est niveau 31. Je vais caler mes derniers PC-tas pour augmenter Célia, je pense. Hein. Putain, ce serait bien de l'avoir Célia en deux, là. Là, je suis vraiment tenté, là. Bon, c'est inévitable. Chat, pourquoi j'ai un deuxième vampire? Ah, c'est pas Vampiro. Y a-t-il un nouveau personnage que j'ai débloqué qui est mieux que ma line-up? Marie, les S tiers? Ah ouais? Oximax, viens Discord. Ok, tous les pros maintenant, vous venez sur Discord. Je vois qu'il n'y a personne sur Discord. Je vois que vous êtes tous des noobs. Allô? Allô? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? 17 ans et étudiant du coup. T'as 17 ans Oximax? Ouais. J'ai l'impression que ça fait 40 ans que t'es sur mon stream. Vas-y, 18 ans. T'es quel level? Putain, j'ai toujours pas baissé le son. Chat, rappelez-moi! Sur mon compte, y a pas vraiment de level, j'en ai fini le stage. Est-ce que j'ai fini le tuto là, oui ou non? Là je pense que oui, ça fait longtemps, mais normalement ouais, t'as fait une bonne partie du truc. Bah en fait, essaye au moins d'atteindre la F430 et je pense que là t'es bon en termes de tuto après. Ok. Ouais mais là c'est dur mec. Alors, t'arrives pas à passer les paliers là? Salut, t'es qui? Attends, je me fais harceler. Ah. Normalement, t'as les trois petits points hauts si tu veux le bloquer. Tcha tcha tcha, donnez-moi mon code, donnez-moi mon code. Point d'exclamation AFK journée les gars, s'il vous plaît. Je vais copier le code dans le jeu les gars. Et les mecs, je vais les régaler. Oh le génie. Le génie, le génie. Et là, je viens de régaler tous les noobs. Hello. Code. Boum! Par contre, c'est qui ce mec? T'es qui toi, mec? Je te signale.
Y a personne qui a dit merci, genre. Personne a dit merci, les gars. Y a personne. Un coffre. Ok, les coffres, il m'en faut max. Oh, big coffre. Big. Je vais chercher le big coffre. Ça dévie mon chemin, les gars, mais je vais chercher le big coffre. Niveau 28, y'a rien, y'a rien. Esquive. Oui, bien wesh. Oh, oh. Il faut que je change ma line-up, voilà ce que je voulais faire. Le son. Bah oui, les gars, à chaque fois que je suis dans le menu, je suis pris par le jeu. Ok, dis-moi ce que je dois faire, Oximax. C'est parti, lead-moi. Est-ce que tu peux juste montrer du coup la version que tu veux? Une seconde, le son est trop fort, j'entends rien. Par contre, là, je casse des mers. Hein. Voilà. Je dois le dire comme ça. Là, attends, vraiment, c'est lui le meilleur DPS? Lequel? 30 000 Viperio! Il est vraiment fort, Viperio, pour le coup. Ok, bon, attends, d'abord je baisse le son. Attends. C'est mieux? Ok. Maintenant, c'est bon. On est sain et sauf. Alors maintenant, refaisons la line-up, s'il te plaît. Je mets qui à la place de qui, là, s'il te plaît? Alors, du coup, le but, quand même, c'est de voir pour que t'aies des... pour t'aies de la synergie entre les personnages. Est-ce que tu peux m'envoyer directement dans le menu? Oh, tu peux voir tous les persos? Je viens d'avoir Entendra. Entendra, il est pas mal, ouais. Bon, vas-y, dis-moi, regarde mon live. Tu vois tout? Ouais, justement, je regarde. Bah, du coup, on garde Cessia. On va garder Win. Dans ce cas-là, on peut peut-être tenter un truc avec 3 morts-vivants et 2 sauvageons au début. Mais dans ce cas-là, tu perds Lucius, donc c'est pas génial. Limite, je dirais peut-être juste de remplacer. On va peut-être essayer de mettre Lika à la place de Valen. Je sais qu'au début, j'avais assemblé Cessia et Lika, et vraiment, ça faisait vraiment des gars de malade. Lika à la place de Valen? Ouais, en vrai Lika elle est vraiment forte au début. Ouais, tout le monde, les gens m'avaient dit que non, mais vas-y, ok. Bah c'est vraiment au début, après tu la changes. Après tu trouveras d'autres persos, moi par exemple. Lika très forte, ok. Ok, ensuite je garde ma healeuse meilleure top tier là. Et Win tu la gardes pour le moment, t'as pas le choix. Qui? Et Win c'est ta healeuse, faut que tu la gardes à tout prix. Oui, et Lucius je garde? Bah c'est le seul tank potable que t'as pour le moment, donc ouais. Après, si tu attrapes Thoran, tu le remplaces directement, y'a pas de soucis là-dessus. Ok. C'est parti, duel élite, j'ai peur. Et en termes de formation, là, je suis bien. Du coup, ton Lucius devant, Tewin. Ouais, là pour l'instant, y'a pas trop de soucis comme ça, ça va rouler normalement. Juste du coup, tu remplaces Valen par Lika. Lika recule là un peu, du coup, à la place de. Tu mets Lucius en. Devant et tu mets les autres personnages derrière vu qu'on veut que ça soit lui qui tank et que le maximum de dégâts. Boum! C'est bien là comme ça? Ouais, comme Entendra ça, la place de Lucius tous les jours, on m'a dit. Mec, Lucius il fait one shot! Ah. Ah, attends, c'est pas grave, il va se faire revive non? Là non, bah Ewin elle est juste très forte pour le heal, mais y a pas de perso qui revive pour le moment dans le jeu. Mais pourquoi tout le monde m'avait dit que Viperien? Ah! 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 Non, allez, vas-y! Oui! Ah, c'était un petit combat de boss, c'est pour ça. J'ai pas vu. Pour moi, c'était le. J'ai perdu des hommes et des femmes, mec. C'est pas normal ce qu'on a fait là. C'est pas bien ce qu'on a fait. Parce que c'est le début. Non, après, non, c'est pas bien ce qu'on a fait là. Là, c'est pas bien ce qu'on a fait. Tu es responsable de la perte de ces hommes et des femmes. Oui, mince, excusez-moi, maître, excusez-moi. Ouais, bah faites attention. Oui. Je m'en excuse. Alors, du coup, on est bien là? Bah là, tu es bien, hein. Faut juste maintenant monter de niveau et obtenir de nouveaux personnages. Après, tu peux toujours, du coup, essayer de. Attendra à la place de Lucius.
C'est aussi un très bon tank, hein, je l'ai pas mal utilisé. Limite même plus que Lucius. Bah alors ? C'est juste qu'au début du jeu, je trouve quand même que l'ult de Lucius c'est quand même un bon plus. Mais tu peux toujours. Ah non, mais. Moi je te le dis, elle est 10 fois meilleure. Juste visuellement déjà. Ah, oui. Je te le dis, elle est 100 000 fois meilleure. Bah vas-y, on passe là. Hein. Ah, c'est déjà dégagé. Alors, je vois un autre coffre là-bas. Attends, il faut qu'il ramasse des pommes de pin là. Hein. C'est bien les fruits ou pas? Ouais, ça c'est pas mal, ça va te permettre d'augmenter ton amitié avec les personnages si tu veux. Et ça va te donner des petites récompenses. Toujours, toucher le mécanisme ancien pour activer le jeu de lumière. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un laser. Attends, je crois que je suis intellectuellement supérieur. Oh, gagné. Lockheed, je t'en prie, utilisez tes lettres épiques. Yep. Et du coup? Bah là t'as eu un coffre, regarde. Oui mais j'attends d'en avoir 10 pour les lettres épiques les gars. Bande de noobs. J'en ai pas 10 encore les gars, j'en veux 10. Esquive. C'est bien d'esquiver les combats ou pas? Moi je le fais quand j'ai la flemme. Genre je termine la zone puis ensuite je m'occupe. Parce que du coup le gain il est pas fou non? Au début du jeu je te jure que je cherchais vraiment des combats. Parce après je manquais de bouquins. Mais au début c'est quand même bien de les faire. Ah ouais? Ouais mais même sache que là du coup je suis assez loin. Et même là encore je fais tous les combats, je clear. J'ai pas choix. Pourquoi tu mets des fake codes Thanos? Code pour avoir plus de. Les gars, le code, utilisez le code, les gars. Il y a des mecs qui sont là en mode utiliser le fake code. Non, il est vrai le code. Ah, le code il marche. Bah, je l'ai utilisé. T'imagines, c'était un admin ça, les gars? Hello, code. Boum! Putain, quand je suis en train de régaler la communauté, les gars. Si tu veux, t'as plusieurs channels français si tu veux envoyer le code partout. Je suis en train de régaler la communauté. Non, mais je veux pas les channels à faire. Hé! Mec! Mon tank il se fait déchirer, mec. Ouais, essaye de mettre Attendra à la place. Mais ça y est? Ah je pense que oui. Ah non j'avais pas mis Entendra. Ah non là t'as mon Lucius, c'est pour ça. Mais je comprends pas, j'ai remplacé mais après ça a pas remplacé dans ma line-up tu sais. Ouais c'est... En gros ça va remplacer celui qui monte de niveau et ensuite quand tu joues les combats d'équipe c'est pas les mêmes qui sont posés. Ça dépend. Bah du coup ça garde la sauvegarde d'avant. Ça prend pas en compte ça. Boum. Oh non, ils vont attaquer ma healeuse. Ah ah. Ça, non. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle se fout le heal. Ah ben... Elle se fout le heal. Elle fait partie des deux meilleures erreurs du jeu, hein, c'est... Ouais, bah ouais, je sais, c'est moi qui l'ai eu. C'est moi. Je sais, c'est moi. Et il y a un x4 ou pas? En termes de vitesse? Parce que, honnêtement, je n'ai pas vu de x4. Ça fait un petit moment que je joue. Et hey, partagez les codes s'il y a d'autres codes les gars. Oh. Attends bah si tu veux je t'en envoie en privé. Peut-être. Bah ouais partage ton code. Vas-y vas-y je t'envoie déjà ceux que j'ai là.
Mais... Dégage, Draken! Tiens. Faut que je regarde après s'il y en a d'autres qui sont pas obsolètes. Mais ça va marcher? Genre, c'est quoi comme code? Ça sort d'où? C'est un autre influenceur ou... Je sais pas. Je pense que certains oui, d'autres non. Ouais, bah, on va pas partager les autres codes d'influenceurs ici. Hein. Moi, je te le dis. D'accord. Bah, dans ce cas, je t'enlève... Non, mais donne-les-moi, voilà. Je m'en fous, je vais les mettre, mais ouais. Je vais pas le partager. Ok, ok. Là, les 4 premiers que je t'envoie, c'est sur Imar, je les ai tapés tout à l'heure. Ok. Ouh, nice, 10 lettres. Ouais, celui-là, il met bien. Oh là, ils marchent tous. Je vais regarder pour les autres. Ah, mais c'est que des codes de streamer, hein. Ouais, bah là, c'est les derniers que j'ai reçus. Mais tu te rends compte que là, tu vois, j'ai pas mon code. Moi j'ai pas de code de streamer, mec. Moi j'ai Lilith, les mecs se sont trompés. Ouais, j'ai vu. Non, mais à tous les coups, mec, ils se sont trompés et du coup, bah. Ils vont m'en vouloir après, ils vont me dire: vous avez pas partagé le code et tout ça. Je fais: quel code? J'en suis sûr, les gars, y a un problème de code, les gars. Parce que là les gars, je viens de gagner. J'ai beaucoup de codes, genre. Donne tout. Attends. Peut-être genre 36 codes. Je sais pas s'il y en a qui marchent encore. Non, mais le mien il est extra. Le Lilith là il est extra, les gars. Il est meilleur que beaucoup d'autres codes, les gars. Le Lilith là. Je crois que c'est l'un des meilleurs, même le meilleur. Non, c'est le meilleur. Oui, mon code, c'est le meilleur, les gars. Ouais. Y'a pas plus rentable. Oui, y'a pas plus rentable. Excusez-moi, y'a d'autres codes. Mais c'est les autres influenceurs et donc c'est les concurrents, vous comprenez? Et ici, on promouvoit pas les concurrents. Attends, mais t'es sérieux ou quoi? Attends, t'as un blog d'ad avec tous les codes? Non, je suis sûr, hein, je suis sûr. Je déconne. T'es sûr un site, genre? Ouais. Oh mec, t'es en train de me régaler là! Attends, c'est. Y'en a beaucoup. Vas-y, je vais streamer ça. Mais c'est des petits codes, hein, c'est vraiment des petits codes, hein. Ah ouais, ça c'est. Et ils donnent pas grand chose, hein, le code. Non, vraiment, c'est le tien le meilleur. Le mien, il donne vraiment beaucoup, quoi. Attends, je vais. Il a pas son petit con. Pour ça, ça marche pas, mec. Hein. Y en a qui doivent pas marcher. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont un peu obsolètes depuis. Je te garantis pas qu'ils marchent. Oula, ça marche plus là. Ouais, bah je pense qu'à partir de là, ça marche plus. Attends, je vais essayer d'en prendre un qui est un peu. Non, ça marche encore. Ça dépend. Ah. Ok, bah je vais reprendre d'où est-ce que j'en étais alors. Non, c'est bien, c'est bien. Ça marche bien. Je me perds, s'il te plaît, dans la liste. Ah non, mais c'est bien, hein, c'est très bien. Moi j'ai une belle liste là. C'est mal. Mais voyez, les gars, mon code il donne 11 lettres, les gars. 11 lettres il vous en donne. Là, regardez, je gagne que des trucs, des PC TAS quoi. C'est des PC TAS ça, les gars. Je gagne des PC TAS. Bon, on a bientôt fini ou pas? Parce que là. Ouais, il m'en reste 4. Ok. Tiens. Et voilà. C'est tout ce que j'ai répété. Regardez, même le code de Squeezie il est éclaté, les gars! Hey, mec, 200 trucs et 20 000. Même le code de Squeezie il est éclaté, les gars. Mon code. Il donne 10 lettres. 10 lettres, c'est genre littéralement 1000 fois ça. C'est 1000 fois ça. 11 lettres. Ça fait du coup 3000 gemmes. Boum! Et voilà, mesdames et messieurs. Alors là, je peux vous dire que là, je suis bien. Tu ressens un message, un truc, enquête, fais-le, ça rapporte pas mal. Ah ouais? Et je peux remplir l'enquête aussi en live là ou pas? Ça par contre je sais pas, genre ça demande, tu sais, genre les jeux auxquels tu joues, comment t'as découvert, quel âge tu as, etc. Et grâce à mon code, regardez bien, 2,25%. Jeanne? Bon, attends, j'ai eu Lucius et Vampirios, c'est bien ça.
Ouais, ils sont bien. Est-ce que je peux te voir ta wishlist? La liste de souhaits en haut à droite. Ouais. Du coup, mort vivant, c'est bon. Sur les sauvageons, si tu veux, tu peux remplacer celui qui a les yeux bandés. Et tu mets l'autre elfe qui s'appelle Eron, ouais, lui, avec les cornes. Les sortes de cornes, pas la grand-mère. Ok, ok. Le beau gosse là. Et ensuite, tu peux remplacer celle qui a des couronnes de fleurs. Et tu peux me remplacer ta Lalika si tu veux. Donc là, tu peux remplacer les deux épiques. Et à la place, tu mets le papy et le petit avec les cheveux blancs. T'es sûr? Ouais. Bah ça, c'est si tu veux, ces deux persos qui sont archi forts sur la fin de game. Sur les pugilistes, t'enlèves celle qui a les lunettes, là, un peu bizarre. Et tu mets le deuxième meilleur healer du jeu, qui est aussi incroyable. C'est qui? C'est le furet, là. Il s'appelle Smokey. Le deuxième, le troisième ou le premier? Le deuxième, celui du milieu. Ok, c'est good. Et ensuite, on peut vite fait faire une petite dernière modif sur les porteurs de lumière, si tu veux. Vas-y. Donc, tu peux peut-être enlever Temesia. Moi, à la place, je mettrais Vala. C'est un très bon assassin DPS. C'est qui, Temesia? Temesia, c'est celle de gauche. Parce que Rowan, faut que tu gardes, faut que t'aies au moins... 1, 2, 3 ou 4. Ok, dans les légendaires, tu as celle avec la chevelure blonde, tu la remplaces par celle qui a les cheveux bruns, c'est la deuxième... Ok. Donc la deuxième, attends, c'est le mauvais, faut que tu gardes celui aux cheveux roux. C'est... Donc c'est le premier, je remplace par le deuxième. Ouais. Ok. Voilà, et dans les épiques, si tu veux, tu peux prendre aussi deux bons personnages, même si t'as Lucius. Tu prends celle qui a les cheveux orange et le premier de la liste. Et tu les remplaces par les deux. Ok, merci. Voilà, voilà. Attends mec, et là j'ai beaucoup de diamants, je peux faire quoi avec des diamants mec? Tu peux pas faire les recrutements épiques. Par contre, du coup, ça soit les recrutements... J'ai 12 000 diamants! Mec, je peux bourriner là! Ouais, alors du coup, t'as le choix entre soit les recrutements boostés, soit les recrutements basiques. Le boosté, il est pas mal. Après, vu que t'as pas beaucoup de persos, je te dirais peut-être d'abord de commencer par les basiques et d'essayer d'obtenir Thoran. Voilà, voilà. Mec, et donc là, en gros, je... Recrutement boosté, c'est recrutement épique, c'est ça? Bah en fait, le recrutement boosté, c'est tu peux avoir que le personnage de la bannière. C'est quoi le truc en haut là? Je comprends pas. L'eau d'artefact, c'est quoi ça? 140 trucs bizarres. Attends, je le cherche. Ah, ça, c'est boutique payante. Ok. Boum! 2%! J'ai 12 000 diamants avec tous les codes, les gars. Oh là là, on s'est régalé avec les codes. Jeanne! Ah, Jeanne! C'est bien ça. Ok, j'ai Corinne. Voilà, donc lui, en gros, il va servir pour le royaume onirique. Bah, voilà. Bah, donc, lui, t'en as un, il va servir pour les Afka Stage, mais plus tard. Et Corinne aussi, pareil. Je continue à claquer les diamants? Bah, si tu veux, ouais. Vraiment, le personnage de la bannière, c'est pas ce que je te recommande actuellement. Jeanne! Sylvina. Ouais. C'est pas bien? Bah en fait, les épiques mort-vivants, le seul qui est potable c'est Viperien. Et elle, c'est un peu le démon de tout le monde. Mais attends, mais... Il m'a baisé mes animations là, j'ai plus les animations. Ah mince, ah ouais, je crois que c'est parce que t'as trop recruté, ça m'a fait la même hier. Je veux mes animations coup... Par contre, du coup, t'as obtenu Oudi, qui est un super ultra bon DPS. C'est le mec avec une sorte de sarbacane. Et du coup là tu vas voir... Oh! Oh! Seigneur! Ah bah là t'es bien. D'ailleurs c'est du coup le système de montée de niveau des personnages légendaires et épiques qui sont différents, si tu veux savoir. Ça va te demander une ressource spécifique, tu vas voir. BOUM! Putain là je suis bien! Ah là, là t'as c'est ça qui monte, ça va être incroyable. Et oh mec, je peux oui, je peux encore améliorer Seigneur. C'est ça, elle est à l'instar des épiques, tu peux les... Mais je le fais, je le fais. Ah bah oui, fonce, fais-le. Oh putain, j'ai transformé Viperion en épique. Ça aussi, c'est pas mal. Oh. Ok, je fais quoi là?
Bah là, du coup, vraiment, fais monter ta Cessia en... avec les glands, parce que de toute façon, les glands ils servent que pour les personnages légendaires et pour les personnages épiques, mais plus tard, t'as un peu le temps. BOOM! Et là, là, normalement, tu dois pouvoir rouler sur. Sur la FK stage. Rouge! Attends, mais là, j'ai... il manque des cacahuètes. Ok, je fais quoi là, ma nouvelle line-up? Je fais quoi? Bah du coup on va garder Asandra, on garde Ewin, on garde Cessia. Vu qu'on n'a pas de bonus de faction, on peut peut-être essayer d'échanger Viperion contre Udi qui est du coup le sort de renard. Je sais pas trop qu'est-ce que ça attends, peut tu veux donner. Que je dégage Viperion là? Bah après il est il a plus de il a là il est plus grande rareté que l'autre. Donc ça m'embête un peu. Dans ce cas peut-être remplacer Ika. Udi c'est vraiment très fort mais je sais plus c'est à partir de quel ça fait longtemps. Faut que je regarde, c'est quand est-ce qu'il a le spell intéressant. C'est qui Udi? Udi c'est le renard. Le mec en bas à gauche là, tout en bas à gauche que t'as. Attends je te dis ça sur mon compte, alors. Je t'ai pris avec moi, switch les pros. Ouais c'est un peu loin. Switchez-les. Attends, mais moi je vais ouvrir des caisses en fait, les gars là. Boum. Oui, d'accord, tous mes héros, j'ai, si je peux les améliorer, je les améliore. Bonjour Uranus, ouais. Bonjour Riri, comment ça va? Hola, hola. Salut, salut. Quel est mon objectif? Formia, Max. Max. Ok, attends. D'abord Uranus et ensuite on voit si les autres vous êtes d'accord ou pas, vous réagissez, d'accord? Vas-y. C'est parti Uranus, on t'écoute. Alors dans un premier temps, je pense qu'il faudrait tu farmes les combats pour avoir plus de livres. Salut. Ok. Ça va être surtout ça qui va être important pour augmenter le niveau de tes persos en fait, ce qui va te permettre de pouvoir farm un peu plus en AFK. Dans le sens où si t'as tes persos qui ont un level au-dessus de la zone où tu es... Et attends, juste t'interromps, mais est-ce que j'ouvre des trucs là? Tu veux faire du pack opening un peu? Bah, va falloir. Je peux plus. Il te manque un peu de diamants là encore. Il te faut 3000 pour un pack opening de 10, je crois. Mais dans tous les cas, le mieux pour farmer les recrutements épiques, ça va être ce que tu vas voir les. Ça va être les gros coffres sur ta map. Si tu cliques. Ah ouais, c'est les big coffres là avec les boss? Exactement, qui te donnent en fait à chaque fois une lettre de recrutement épique. Donc, ça, c'est le mieux pour farmer les recrutements épiques, je pense, en early. Et du coup, bah, le fait d'augmenter le niveau de tes persos pour pouvoir farm les combats, tu vas pouvoir passer à côté des, en gros, des mobs et juste pouvoir cliquer pour passer automatiquement le combat et ramasser les loots. Donc globalement, je pense que c'est le mieux à faire en early, je sais pas si okay. Tu es d'accord avec moi les autres. Et en termes de line-up, là, qu'est-ce que je fais là? En termes de line-up, a priori, ouais, Entendra est mieux en tant que Lucius, mais tu l'as peut-être plus augmenté. Ton Lucius est comment? Non, ils sont au même stade. Non, ça y est, ils sont pareils. En soi, Audi va vraiment te servir en PvE, PvP, il est très très fort. Genre, c'est un des persos les plus broken en PvP à l'heure actuelle. Cessia, ça va être ton corps de gameplay en early, pareil, c'est le perso le plus simple à farmer. Parce que tu peux les avoir avec, en gros, les pièces de l'arène. Si tu farmes un peu d'arène, à 9000 pièces, tu vas pouvoir avoir un perso rang S en fait, et tu l'as à peu près chaque semaine. Tu peux chaque semaine, si tu fais tes combats en arène. Une ou deux fois par jour tranquille en fait, tu auras assez de quoi farmer. Ça va être vraiment l'arène et le farm classique après des mobs qui vont te permettre de pouvoir farmer rapidement et d'évoluer sur le level. Ok. Objectif maintenant. Est-ce que je baisse le boss là, le royaume onirique là, je peux le tuer le boss maintenant? Alors je sais pas si tu veux, peut-être, ça dépend de la puissance, c'est vraiment évolutif. Il a 37%, je pense pas qu'il le fera tout de suite. Non. Ouais, vaut mieux que t'attendes pour pouvoir le farmer direct, toi. Ah bon? Bah après, il récupère des gemmes, là, s'il le fait un peu, c'est toujours ça de prix. Ouais, tu peux toujours récupérer des pourcents. Ouais, là, je fais des duels, des trucs, ou je fais quoi, les gars? En fait, les boss, le but, c'est pas de les tuer, c'est de faire le maximum de dégâts pour récupérer le maximum de loot. En sachant que t'as 5 tentatives par jour, ouais, donc c'est pour ça qu'il faut que tu t'optimises à faire chaque tes tentatives. Chaque jour, il y a un nouveau boss, et voilà, c'est pas... Donc, ma line-up, elle est bien, là, les gars? Ouais, pour ça, c'est pas mal. Moi j'aurais mis deux mecs devant, mais vas-y, c'est quand même pas mal.
Tu mets qui devant? Sylvina. Moi j'aurais mis Sylvina. En fait, c'est ta meuf là qui a les cheveux blancs là, avec la coupe au bol. Elle est pas mal parce que c'est un petit peu salaud comme perso. Et en fait, tu la mets au fond de ta map. Et elle va à l'opposé. Donc elle apparaît derrière les ennemis et du coup elle tape derrière. Et donc pour taper les healers ennemis ou les archers ennemis qui te font chier, c'est vraiment fort. Enfin, moi je jouais ça au début. Ah ouais, pas mal, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Mais je dégage qui alors? Ouais, tu peux dégager ton archer là, le. Comment il s'appelle le... Woody. Woody là. Je dégage Woody? Ouais, pour faire. Ouais, comparé à Vaporien, c'est pas ouf. Et je mets qui devant là? Je mets. Mindstein en dessous du Mythic Plus, hein, honnêtement, Woody a plus de value. Hein. Ah ouais, mais. Après là, ça va, c'est le début du game. Bon, les gars, dites-moi juste là ce que je vais faire là. Il faut que j'appuie sur un putain de plein bouton. Mais là, tu les baisses, les mecs, hein, level 27, tu les manges. Ok, vas-y, j'appuie sur le bouton aléatoire. Tu les manges. Par contre, pourquoi elle passe pas derrière Sylvina là? Ah si. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est trop fort. C'est vraiment. Et elle retire de l'énergie en tapant, non? Ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. En plus, au rang mythique plus, elle gagne un bouclier quand elle se TP, ça devient vraiment très très fort. Hein. Après. Ok, est-ce que vous pensez que je peux passer level 30 ou pas? Non. Je pense. Oh, un peu plus, c'est pas. Ouais, clairement. Hein. Ah, j'ai pas entendu. Ouais, je pense que oui. Mais là maintenant, tout de suite, là? Peut-être augmenter les personnages et puis après, tu pourras le faire. Ça va, t'as 12 k, ils sont à 8 k en face ou quoi? Peut-être ça devrait jouer. Aïe! Sylvina morte! Pour augmenter ton niveau de résonance, il te faut des gold et des livres. Voilà. Ouais, mais c'est les livres là, c'est les livres le blème. Et bah les livres. Les gold, j'en ai à limité là, parce qu'avec tous les codes que j'ai rentrés, c'est bon. C'est les combats sur la map, les livres. Eh, Sylvina, elle se fait piner, les gars! Après, ça peut être cool, je vais essayer de prendre un arbre focus. Ouais, au début, ça dépend des. Ce qu'il y a en face. Il y a des fois, tu. Faut juste un petit peu déplacer si là, tu la mets là où il y a le healer et puis voilà. C'est ça. Parce qu'en gros, elle va dash en diagonale en inverse. En fait, quand tu poses la Sylvina, elle met une épée sur l'équipe adverse, donc tu peux voir vite fait où c'est qu'elle va. Je continue, les mecs, ils sont niveau 40, je continue. Honnêtement, surtout en early. Si je perds, c'est grave ou pas? Vraiment taper au-dessus. Non, pas vraiment. Ok, donc dès que je perds, ça va arrêter automatiquement ou pas? Oui, exactement. Dès que tu perds, okay, let's go. Le combat automatique. J'ai les pros là, j'ai les pros, les gars. Bah ouais. T'as l'élite. Meilleur, hein. Attention. Là, je suis niveau 20, les gars. On va monter niveau 21 là si je gagne ici. Là. En early, tu peux vraiment taper des mecs à bien 15, 20, 30 niveaux plus que toi, des fois. Ah bon? Ouais, oui. ça dépend de la fête. T'as une bonne compo. Ouais, mais là, j'ai une bonne compo là, du coup. Bah, t'as compo, elle est pas mal. Franchement, t'es bien. Elle est pas mal. Le seul qui te manque, en gros, c'est Thoran. Thoran, il est vraiment responsable. Thoran, c'est vraiment le meilleur tank, premier degré. Et je l'ai pas? Donc, il se reste justement. C'est le tank que mort-vivant. Et là, quand je gagne des combats là, maintenant là. Est-ce que y a des. Je gagne des trucs, je gagne des trucs, ouais. Genre. Ouais, mais alors. Chaque compte papier, ouais. Mais je gagne des bouquins ou pas? Alors, tu gagnes pas des bouquins directement, je crois. Mais c'est. En gros, ça augmente ton niveau de récompense AFK de façon exponentielle. C'est-à-dire que tu vois là, à la fin de ton combat, ça te met, tu passes de 15 128 par heure à 15 145 par heure. Et ça va augmenter de façon exponentielle. Et c'est worth d'utiliser des diamants là, c'est pour gagner 120 heures de jeu là? Oui, honnêtement, alors essaye de le faire à chaque fois sur la fin de tes sessions, dans le sens où du coup tu vas. Si tu augmentes ton palier AFK, tu auras des meilleures récompenses et du coup si tu utilises les gemmes sur les 120 minutes, ça va te mettre automatiquement les récompenses que tu as fait à la fin de ta session, quoi, tu vois. Donc faut le faire à la fin de ta session de jeu. Ok, et les diamants, c'est les trucs qu'on peut acheter, c'est ça? Non, les diamants, tu les achètes pas, le pack, qu'est-ce que je peux acheter avec ma vraie thune? Je peux tout acheter avec ma vraie thune? Bah oui, en vrai, oui, mais ça vaut pas la peine pour l'instant. Ouais, ok. Voilà. Non, les gars, tant que vous me dites que mes mains sont pas liées, c'est bon. Est-ce qu'il y a des trucs où tes mains sont vraiment liées et il faut que t'achètes? En vraiment, quel est le game? Bah, tu vois, franchement, mec, pour ça, franchement, je félicite le jeu. Y'a aucune fois où je me suis senti que mes mains étaient liées là, les gars. En fait, c'est vraiment sur les packs qu'ils proposent, etc. C'est vraiment du.
du léger boost en fait par rapport à l'expérience. Tu vas pas très souvent te faire softlock. Si tu te fais softlock sur certaines zones, ça peut arriver, mais c'est juste généralement par rapport à la progression d'ouverture. Ils ont ouvert plusieurs serveurs là, je crois qu'il y en a plus de 150. Et du coup ils sortent les nouvelles saisons et les nouveaux jours progressivement sur les serveurs. Et du coup ça peut arriver là dans les débuts de jeu que tu fasses softlock parce que bah t'attends par exemple là les gens se faisaient softlock sur les premiers serveurs, on attendait la nouvelle saison qui sortait progressivement. Mais honnêtement ça a été la team 3 et c'est. Putain, les mecs, les gars, vous êtes trop investis, c'est j'adore. Vous êtes trop investis. On a attendu 2 semaines. Ah, vraiment? Ah mais mec, j'en pouvais plus. Est-ce qu'il y a plus que x2 ou pas? Non, le maximum vraiment je crois que c'est x2 pour moi. Ok. Ouais. À moins que quelqu'un ait une info qui est plus, mais j'ai vraiment pas vu ça dans les. Non, j'ai pas vu non plus. Non, ouais, pareil, vraiment x2. Ouais, en plus t'as désactivé les animations des outils, non c'est le plus opti, ouais, je pense. Ouais, là t'es au max. Je suis au max là les gars. On va monter niveau 28 là, on va peut-être monter niveau 30. Je pensais pas que j'allais y arriver hein. Un des trucs qui rapproche le plus aussi, c'est tu vas avoir tu vas débloquer les épreuves légendaires après l'hélice. C'est pas mal pour débloquer tout ce qui est petits cristaux bleus d'amélioration, je sais plus le nom, c'est des essences torrentielles je crois. Ouais. Pour améliorer les épreuves que tu peux faire après. Tu gagnes aussi des lettres de recrutement, tu gagnes beaucoup de choses dans les épreuves légendaires et c'est vraiment worth de les faire. Et aussi, n'hésite pas à. Et je peux le faire ça? Je peux le faire? Ouais. Mais j'ai les capacités. Ah, je sais pas si tu l'as débloqué là. Non, je vais me mettre encore. Peut-être épreuve. Mec, ma Viperia elle se fait ouvrir tous les fights. Mais parce que là en fait, le problème c'est que t'as qu'un seul tank qui prend tous les coups. Mais est-ce que là, est-ce qu'il pourrait pas mettre ça ou elle est trop bas niveau pour le moment? Parce que c'est ça, après tu peux la mettre devant aussi parfois. De qui? En vrai, Cestia, ouais, c'est mon boss final. Mais non, Cestia, c'est un archi. Ouais. Tu vois, mais parce que, à niveau 30, plusieurs fois devant, t'inquiète fou. Hein. Attention, niveau 30! Ça, la question, c'est est-ce que. On va pouvoir créer la guilde! Si elles sont nulles, tu vas le faire, t'inquiète. La guilde, honnêtement, c'est très utile à partir du week-end à peu près à ce qu'on appelle. Comment ça s'appelle ces combats-là Les exercices de combat, voilà. En gros, tu fais des combats un peu en boucle qui sont plutôt faciles avec des buffs voilà, sympas avec les membres de ta guilde. Ça te donne. En gros, dans le trésor de réputation, t'as des quêtes à faire qui augmentent le niveau de ton trésor. Et à chaque fois, tu gagnes des lettres de recrutement épiques et des clés du trésor que tu peux ouvrir dans un autre onglet et qui te donne soit des gemmes, soit des. Ok, on va le faire tout de suite, ça. On va le faire tout de suite. Easy win! Bravo. La guilde est égale à plus de récompenses. Ça, j'ai entendu, mesdames et messieurs. C'est tout ce que j'ai besoin. Mais attends, je peux continuer combien de temps là, à votre avis, comme ça? Encore un niveau ou deux, je pense. Il faut voir le niveau des ennemis. Ouais. Ils sont 30-31 là. Égal à toi. Après, en vrai, c'est perso. Ouais, c'est perso. Parce que c'est sûr, c'est sûr, c'est trop bête. Ah ouais? Et c'est le premier truc que j'ai débloqué. Non mais attends, c'est trop bien. Et si tu veux, là j'ai 150 millions et je l'utilise encore. Elle est toujours là dans mes compos. Mon préféré, moi j'aime beaucoup Cécile. Attends, je vais regarder des DPS. Ouais, pas ouf hein, Viperio est aussi bon hein. C'est vrai, oui, ça égalise plus ou moins. Viperio est aussi bon. Viperio, on le voit beaucoup en PVP si je dis pas de bêtises. Tu vois pas mal. Après, honnêtement, là, je suis arrivé en top arène à peu près. Je suis en champion, je suis en top 100. J'ai un Viperio en suprême et mon Audi en. Enfin, non, en Viperio en mythique plus et Audi en suprême. Attends, en suprême, ça veut dire quoi? C'est au-dessus de rouge? Ouais, c'est ça. Ouais. Rouge et après, t'as suprême plus. En gros, suprême à ce plus. Malgré le fait que je sois en équipe mort-vivant aussi, parce que je suis en Cessia Toran, Audi a quand même beaucoup plus de value que Viperian après. Hein. Ouais. Non mais regarde, j'avoue, là, je vois là. C'est Cessia qui a survécu et qui a tué tout le monde là. Le rempart en gros, c'est pour les wailings, il faut avoir 25 vertus suprême plus. C'est honnêtement, même moi j'ai jamais vu encore de paragon et pour les voir, c'est des mecs qui ont dépensé des smics sur les wailings. J'en ai vu que dans le Discord, hein, sinon il y a. Ouais, voilà. Oh, j'ai débloqué l'arène! C'est bien l'arène? L'arène, ah, l'arène c'est bien. Pour farmer, c'est très très bien. Pour farmer, c'est bien? Tu vas gagner des pièces d'arène à
avec les combats, avec les quêtes journalières, etc. T'en gagnes 100, 200, 700, enfin t'en gagnes pas mal. Et chaque semaine, tu peux dépenser pour 9000 pièces si tu vas dans ton Imperium, donc ta boutique. Je déglingue le qui là, attends, ouais, je déglingue le qui 1, 2, 3. Le 7000, le 7000. Ouais, le 7000, il est tranquille. Prends toujours une puissance en dessous de la tienne, tu vois ta puissance en haut à gauche, la tienne. Ok, ok, ok. C'est des valeurs sûres comme ça, mais quand même faire attention. Enfin, là, pour le début de la partie, ça va aller. Là, tu penses que je lui casse la gueule, là Là, t'es bon, tu peux augmenter maintenant les niveaux. Parce que easy penses, easy win easy. T'es chaud, en fait. Je suis trop chaud. Mais oui, t'avances totalement vite, c'est incroyable. C'est du top 500 gaming, ça, on reconnaît. Top 500 gaming. Attends, je vais créer la guilde. On va créer la guilde. Ouais, vas-y, c'est ça. Tu crées la guilde, je lâche la mienne pour la tienne. Mais du coup, du coup c'est grave ou pas? Je suis... Je transférerai mon rôle de... C'est grave si tu lâches la guilde. Non, je les connais pas. Oh là là là, je me régale. Mais il y a des niveaux de guilde ou pas? Ouais. Monte un niveau, en récompense, ouais. En vrai, si tes teammates de la guilde sont un peu AFK, c'est un peu chiant, ouais. Bah tu les vires, hein, puis t'en prends des nouveaux. Bah, ok, je vais confier à l'un d'entre vous la... Si c'est des potes, le maître de guilde. Au cas où si je ne joue pas. Quand je suis AFK, les gars, parce que je... Ce jeu, c'est le game of the year, en fait. Ça prend tellement de temps, oui. C'est tellement un bon jeu. Non, en vrai, pour en idle comme ça, Tycoon, enfin pas Tycoon MDR. Ah, moi je te dis, si c'est pas le game of the year, franchement, mec, je te dis, c'est pas normal. Voilà, je te dis, c'est pas normal. Vraiment chill quand t'es en queue, genre quand t'as 20 minutes de temps de queue, que ça soit sur n'importe quel jeu, t'es dans le bus, dans le métro, n'importe quoi, honnêtement, sur des trajets, si, avec ta musique et tout, ça peut. Game of the year! Je veux rien entendre. Ça marche très bien. Ok, c'est où Guild? Dans les. Tu rentres dans Guild. Hall de résonance, Guild à droite. Ouais. Dans l'écran principal du jeu. Voilà, en bas à droite. Encore la flèche. Il y a les 3 épées. J'ai trouvé. En bas. Créer la guild. Tu dois payer un petit peu de diamants pour la créer. Mais je pense que t'as suffisamment. Ah bon? Ouais, je crois que 1000, un truc comme ça. 6000. Ouais, c'est quand même pas mal. 6000! On est pas sûr par contre, mais. Par contre, j'arrive pas à créer le FC Narine. Oh oui, pile poil, FC Narine, les gars. Alors, tag de guild. On fait quoi? Je mets tout. On met quoi? On met quoi? Débutant, bienvenue. Compétition. Compétition. C'est du joueur compétitif, il me semble. Mais oui. Toujours en ligne. Voilà, t'as la guild là, tu la vois, c'est en face de toi. Au truc au milieu. Tu peux devenir la guild top 1, hein. Bannière. Bon, déjà, nous, elle est encerclée d'or parce que c'est pas normal. J'aime bien ça. Il faudrait une petite lune là. Y'a pas une lune? Ok, on change juste la couleur. On met violet ou vert? Violet, non? Violet serait joli, ouais. Violet, c'est beau. Bah, j'ai pas le choix de couleur là, les gars. Terrifiant. Enregistré. 1000 bits. Ça me coûte 1000 bits. Putain, heureusement, je les ai, les gars. Boum! Rejoignez le FC Narine, les gars. J'arrive. J'arrive aussi. On termine le palier 30. Ah oui, il va falloir attendre. Ah oui, c'est mais vrai. Non. C'est facile. Et oui. Ah, pour rejoindre ma guilde, il faut que vous soyez palier 30. Ouais. Aïe. On se dépêche, on forme. Bah dépêchez-vous. Et dépêche-toi. Et tu vois, t'as une limite hebdomadaire pour les points de guild. Les points de guild, ça te permet pareil d'acheter des persos des rangs S directement. Et les pierres d'âme là, je les utilise tout le temps. C'est des S spéciaux. Ouais, en plus, ouais, c'est des S spéciaux, donc c'est les Valkyriens et les... Pierre d'âme, j'utilise tout le temps. Ouais, ça claque tout le temps dans tous les cas, ça sert à rien de les stacker. Tu peux faire des vœux, Loclair, si tu veux là. J'ai trouvé 7. Oui, et Locke, t'as 10 vœux spéciaux, 10 vœux spéciaux fort. Ça y est? Et Locke? Ouais. Et Locke, une chose avant de faire les vœux spéciaux, là, les vœux avec les pochettes dorées, là. Oui. Quand tu fais tes vœux, là, choisis bien tes persos. On va les choisir ensemble. Il faut juste que tu mettes ta team. On va les choisir ensemble.
Bah, y a pas de liste de souhaits pour les vœux spéciaux. Si justement là maintenant tu peux cliquer sur les flèches dans recrutement et pitch. Voilà. Et en fait là il n'y en a que 5 à modifier. Et en fait ça va être que 5 légendaires que tu auras. Là juste dessus t'as les 5, légendaires. Ok, je prends quoi, Le premier je pense tu peux changer. Ouais je pense que Brutus on peut changer. Je prends qui? Y'a quoi comme perso? Ouais, t'as pris Cecilia, t'as pris toi, t'as pris... Peut-être une Vala, ou un Smoky. Smoky ça peut être bien. Bah après si... si après, part, après les gars, n'oubliez pas que aussi le jeu de la famille hein. La famille ça compte aussi hein. Faut mettre... Bah, c'est pour ça, je prends Carolina... quoi, les gars. Carolina c'est celle réfléchis, avec... Réfléchis. En théorie craft, deux minutes. Fais des calculs. Le mieux pour toi là je pense à la place c'est Carolina parce que en early avec tes persos en mort vivant c'est celle qui peut avoir le plus de combos parce qu'en gros elle met des dégâts sur les mecs stun et Cecilia stun avec son ulti. Ok ok mais du coup dis-moi c'est je remplace Carolina, qui par qui en fait tu remplaces le entre le je sais même pas ce que c'est. C'est celle qui a la peau un petit peu pâle, la blanche, à gauche du rhinocéros. Ouais. À gauche du rhinocéros, ouais, exactement. Et tu remplaces par le raton laveur, je sais pas ce que c'est. Ok. Ensuite. Et ensuite, t'es good, hein. C'est, honnêtement, c'est les meilleurs persos que t'as là. Hein. Ah ouais. C'est le deuxième support. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, les gars? Oui. C'est quoi la proba là? Attends, c'est quoi la proba? 5%! Oh putain, j'ai envie de chialer. Tu vas y arriver, moi j'en ai beaucoup, hein, de bons héros. Ça va, t'as une chance sur 20. Easy. Khan! Ah mais non. Oh! Il l'aura, il a la pique. Mais oui, il l'a. Nickel. Oui. Oh, c'est... Carolina. Oh, ça, t'as Carolina. Fait. Oh, t'as plus ce qu'il fallait. Ah bah là, t'es archi bien. Ah, dis-toi, t'as la bombe. Donc, ça, c'est ce qu'il me fallait, ça? Bah, c'est plus. Ouais, c'est fort. Je remplace par qui? Bah, Vipé rien en vrai. Ouais. Qui? Bah, là, Vipé rien. Deuxième. Il me sert plus à rien, Vipé rien là? C'est Vipé rien ou Woody en vrai. Ouais. Après, on mais c'était mon préféré, putain! Bah, dans ce cas-là, les gars, Woody, parce que sinon il a pas le bonus des 3 morts vivants. Tu peux remplacer Woody. Oui, c'est vrai, t'as raison. On peut le remplacer Woody dans ce cas-là, tant pis. Ouais, le bonus mort vivant est trop fort en early. Vraiment. Tu Oh putain, je suis ping! Bon, les gars, il me manque des bouquins là, par contre. Bah, faut fight dans la nature, là, t'as pas le choix. Ah ouais? Ah ouais, bah. Prends des coffres. Tu récupères ton coffre des fois au FK ou pas? Il est où? En bas à gauche, dans ton. Donc, voilà. Sur la map, ah, okay. Attends, y'a un mec qui l'a voulu me tester, bouge pas. Je t'avais vu aussi en fight. Quand elle est où la meuf là? Tu peux les utiliser. En haut à gauche. Bien. La meuf elle est en haut à gauche. Ok, vas-y, je place comment là? Bah, tu le mets en derrière. Et je mets Célia devant? En vrai, elle tanque tout seul l'autre, hein. Franchement, elle est trop forte, elle peut tanker tout seul. Ouais, elle est très bien. Cecilia, tu la restes derrière. Ouais. Vas-y. Franchement, ça, à ce niveau-là, tu peux faire un petit peu comme tu veux. En gros, faut faire en sorte que tes tanks soient les seuls à prendre des flèches rouges d'aggro, entre guillemets. C'est pas mal les petites bombes là, c'est vraiment pas mal. Putain, là par contre, là on déchire. Ah, c'est bon. Là on déchire là. Mmh. Là on déchire, ok. Objectif, explorer les vignes. Plus t'auras de niveau, mieux ce sera parce que à un moment donné, quand t'as plus de 20 niveaux comparé à un ennemi, tu pourras vraiment les niquer sans que t'aies besoin de battre en fait. Genre t'auras une option et ça, les one tap instant. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Ah là en gros c'est des packs. C'est des quêtes en plus, c'est super mal. Dès que tu vois en haut combat scénarisé, c'est que c'est un combat qui est à ta quête principale. Généralement, ok, ok. Même si tu le perds, des fois tu peux pas placer de perso parce que c'est des persos de la quête, etc. Tu laisses faire, t'es sûr de win. Ok, ok, ça marche. Easy. Bon, moi sur ce, je vais vous laisser, je vais partir manger. Merci beaucoup, en tout cas, merci beaucoup. Et attends, j'ai pas vu là, on a créé la guide, quelqu'un rejoint? On peut pas, moi j'ai pas réussi à rejoindre. On termine. Faut qu'on attende 30 minutes, moi j'ai quitté ma guilde, mais bon. Tu dois attendre 30 minutes pour rejoindre la guilde? Attends, je regarde s'il y a des gens. Comment je sais s'il y a des gens qui ont regardé la guilde? Tu vas dans la guilde. Y'a Matt et Tcha qui a rejoint là. Voilà.
Et c'est quoi le coffre de guilde là? Qu'est-ce qu'on a? C'est pas pour tout de suite. C'est en fin de semaine. C'est tous les dimanches. Et en gros, par rapport au nombre d'activités que les personnes de la guilde ont fait, ça a rempli le coffre. Et plus t'as fait d'activités, plus t'as de loot. Mais pour le moment, y'a que la photo de moi, genre. Tu peux leur dire de charbonner un petit peu plus si tu veux. Parce que c'est toi qui as avancé plus. Mais y'a que la photo de moi, vous branlez quoi, les gars? Mais on arrive, mais moi ça me permet pas de venir, donc je sais pas. Ok, ok, bah voilà. Bah voilà. Mais dans 30 minutes, t'inquiète, on join. Ouais, y'a intérêt. Parce que dans 30 minutes, je suis plus à moi. Mais moi je suis là sur le jeu, hein, t'inquiète. Parfait, parfait. Bon, et ben en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Vas-y, bon appétit à toi. Bon appétit. À la prochaine fois. Vas-y. Est-ce que putain. Est-ce que je peux battre le boss ou pas encore là? Non. Voir le niveau. En fait, Royaume onirique. Voir son niveau. Oui, faut voir. Non, il a la dernière fois il a fait même pas 40%. Non, je sais pas. Il peut toujours tenter. Mais attends, la dernière fois j'étais level. J'avais 40 niveaux en tout. Tu peux toujours tenter, tu peux toujours essayer. De toute façon, c'est pas grave. Moi je le baise. Baise-le, Claire, baise-le par pitié. Vas-y. Mais je le baise tous les jours, ton gars là. Vas-y. Il y en a plusieurs qui vont arriver à chaque fois quand tu vas les battre. Regarde ça. Regarde ça, il est déjà mort. Il est déjà mort, les gars, easy win. Je pense que tu touches les sons. Pourquoi j'ai Lucius là? Qu'est-ce qui se passe là? Bah, t'as bien changé, du coup, ça en fait. Faut tes équipes d'arène, de royaume inirique. Ah, il faut que je remette, putain. Ouais, c'est pas synchronisé les trois. Que c'est trois gameplays. Ouais, là c'est relou, du coup, je suis mort là en fait. C'est pas grave, t'as encore trois autres tentatives. T'attends. Ouais, mais moi ça m'énerve. 50%. Bah, là t'es archi bien, du coup. Je suis bien là? Bah, allez, soigne-nous là, idiote! Soigne-nous! Voilà! T'inquiète pas, elle est très bien comme perso, hein. Elle soigne très bien. Ouais, mais il faut qu'elle soigne plus là, parce que là, elle m'énerve! Soigne plus là, idiote! 53%, ça baisse plus là! Qu'est-ce qui se passe là? Il a activé l'armure? Oula! Ah, c'est pas grave si lui il meurt, c'est mon démon. Lucius est mort! Ah, tu perds un personnage, t'as perdu? Non là, c'est juste que t'as plus de temps. En haut à droite, t'as les secondes. Et généralement, au Royaume Onirique, tu finis parce que t'as plus le temps. Ah, il faut le temps. Oui. Ah, je savais pas que c'était qu'ils sont le temps. T'as encore 3 tentatives. Retente avec, du coup, si tu veux, avec la Carolina, etc. Mais tu penses que je peux le tuer, du coup? Non, mais en tout cas, tu peux encore progresser. Comme t'as vu, là. Tu peux sélectionner l'arme? Ouais, alors. Je dirais de prendre l'archer, vu que t'as Cessia. Même si. Non, mais... De quoi? Il y a un bonus. Je prends qui? T'as un bonus sur le 60, pour celui-là. Moi, je pense pas, pas forcément par rapport au personnage, c'est plus pour le niveau que t'es pas. Mais ça, c'est pour quoi la fleur? C'est pour mon healer? Ça va être pour tout ce qui est mage. Alors, je prends quoi? Le healer, c'est la cloche. Le truc, c'est mage. Là, celui que t'as. Bon, j'ai pris la fleur. Ouais. La fleur. Mais l'archer, c'est pas mal aussi vu que tu joues ces. Bah ouais, mais c'est trop tard. Ça dépend ce que tu veux booster. C'est ça permet de booster Carolina, ça va être bon comme ça quand même. La fleur, elle a plus de niveau, elle a plus de gains, donc ça va. Bon, par contre, j'arrive plus à améliorer mon personnage là, je suis en blocage total. Ah bah. Ouais, moi ça m'arrive aussi, c'est vrai. Et tu fais quoi quand t'es dans cette situation? Tu sors la CB? Bah tu vas prendre la map et puis tu vas chercher des petits... Chacun fait ses soins. Ok. Quand t'as des monstres à frapper... Encore des ennemis. D'ailleurs, du coup, les monstres de la quête d'histoire te rapportent pas de bouquin. Ah bon? Ouais, tout ce qui est... C'est honteux. Si je dis pas de bêtises, les gars, vous... Il me semble, ouais. Bah là, j'en ai encore fait un tout à l'heure, j'ai pas eu de récompense. Laissez-moi vous le dire, c'est honte. Chat, je vous le dis, c'est le game of the year. Vraiment, je suis pris par le jeu, les gars. Je vous promets que je suis pris par le jeu.
Le jeu, il a beau être bon, bah tu sais, t'es en mode vraiment AFK et tout. Bon, il s'appelle AFK, tu vois, il a rien caché du tout. Mais pour le coup, il est vraiment pas mauvais. Vraiment, vraiment pas mauvais. Ah, c'est un petit jeu de chill, hein, c'est vraiment cool. Ouais, c'est vrai, c'est chillax de fou, pardon, ouais, c'est chillax. Pas l'idée F430, allez, plus clair. Et pense à récupérer ton coffre quand même en bas à gauche. Quel coffre? Le coffre AFK, de. BOUM! Ah ouais, une heure. Voilà. Et comment je fais là pour. Là, je paye les 50 diamants ou pas? En vrai. Tu peux, hein, franchement. BOUM! C'est ce que je fais à chaque fois. Hein. De toute façon, les diamants, on en a tout le temps. Et après, il me demande un truc là. Ah, après, je peux pas. Non, faut que t'attendes. Ah, donc ouais, c'est pas mal là. Oh. Ok. Ok, il y a des récompenses que j'ai pas récupérées. S'il vous plaît, aidez-moi à les récupérer. Fais-moi, je sais pas lesquelles t'as pas. Ouais, sur ta carte, là, ton. Ouais. Déjà, il y a le guide. Les guides, du coup, c'est 30 gemmes. En fait, y en a partout des récompenses. Quand tu vas dans le nouveau, dans le guide, normalement. Voilà. Comme ça? Ouais, là, voilà. Comme ça, tu récupères les gemmes. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Maintenant, t'as les autres onglets du. Oh là là. Oh là là. Ceux-là, je les aime bien, ceux-là. Oh, ceux-là, ouais, je les aime bien, ils me donnent envie d'acheter, ceux-là. Ceux-là me donnent beaucoup envie d'acheter. Ouais. Ah, il est pas mal. Ouais, il me donne envie d'acheter, tu vois. Ouais. Il est bien, celui-là. Parce qu'en fait, tu sais, il te dit, bah, tu vois là, tu gagnes ça, maintenant, en fait, tu gagnes ça si t'achètes, tu vois. Ouais. Ah, et du coup, en fait, il récompense ton temps de travail, entre autres, quoi. T'as des récompenses aussi, si tu veux, quand tu cliques sur ta map. Ah ouais? Des récompenses d'exploration. Ouais, quand t'atteins certains pourcentages. Il faut ouvrir les coffres et tout que tu vois en fait. Voilà, en haut à gauche, t'as sur explorer, t'as un petit coffre. T'as haut à gauche. Oh, un pourcentage aussi, de combien de coffres tu as ouvert. Mais c'est vrai que l'essence de héros, ça compte beaucoup. Et il y en a très peu, donc ouais, il faut vraiment se combattre plusieurs fois pour regagner du niveau. Pour l'instant, ça va, t'en as. T'es tranquille avec, mais après tu vas voir, ça fait mal. Ça fait mal. Full stuff. Ok, maintenant je vais un peu augmenter mes persos, mais ça me troue le cul, hein. Les bouquins, c'est dur là, c'est dur. Ah, ça. Bah, du coup, priorise les persos qui vont te carry. Et ensuite tu le termines. Et c'est qui? C'est tous, non? Bah, là en l'occurrence, ouais. Ça va être Cessia, Carolina, Cessia, ouais. Et Ewin en priorité, je pense. Et ensuite tu termines sur Nathandra et puis j'ai plus rien. T'as juste à attendre. Ah, mais j'y arrive pas. J'ai pas assez de bouquins, bordel. Bah, t'y arrives bien, regarde. Mais si tu veux y arriver. Fais plus de coffres aussi là. J'essaye. Tu restes trop dans les menus. Va sur la map et tu cliques. Va farmer. Mais mec, j'adore les menus, frérot. J'adore les menus, mec. Ils sont magistrales, les menus. C'est vrai que je suis vraiment dans les menus H24. Ah, tu passes beaucoup de temps dans les menus pour le coup. Ouais, bah c'est ça. Chaque matin, il rentre sur les menus, frère. Ah, c'est tellement ça. Sur le canapé, et puis voilà. Rien que dans les bottes de combat. Easy! Non, mais attendez, là je peux exploser là. Oh! Antaria, elle est morte! Idiote! Ah, c'est pour ça que Thoran, c'est tellement un plus. Thoran, en fait. Non, mais mec, Célia, elle invoque un mec, c'est pour ça qu'elle est cheatée, non? Ouais, oui, et en fait, dis-toi que vu que Thoran il a 2 vies, donc quand il meurt, il se régène en pourcentage CPV. Et qu'en plus, quand t'as le truc de C7 qui a pas en même temps, généralement ta frontline elle est vraiment tranquille. Le jeu c'est AFK Journey pour les gens du chat. Pour l'accélération AFK Journey, effectivement, merci beaucoup mesdames et messieurs. Déchirez le lien, utilisez le code. Et si jamais vous voulez découvrir le jeu, pour le moment, je suis extrêmement fort, j'ai mis 0 euros, voilà, je tiens à vous le dire quand même. Ce qui prouve que quand même le jeu il peut être joué très bien comme ça. Parce que j'ai vu beaucoup de messages haineux comme d'hab à chaque fois quand c'est un jeu mobile, etc. J'ai mis 0. 0 les gars, j'ai mis 0. Giga Chad. Et t'as mis combien toi, Happy Maria?
Moi j'en ai mis 0 non. Bah j'en ai rien. T'as même pas craqué sur le 1,19€ là? Non, non, même pas. Oh, wow. Ah moi j'ai envie de craquer. Ah, y'en a qui ont craqué. Hein. Ah, moi j'ai craqué. Hein. Non, pas maintenant. T'es à combien, Riri? Avoir Rowan direct. Non, alors moi j'ai ma main elle a glissé. Au début je voulais mettre 20€. Non, au début j'ai mis 20€, c'est tout. Genre vraiment, c'est que dalle. Ok, maintenant t'es à combien, vas-y, dis. Crache-le. Non, j'ai remis 20€ sans faire exprès. Genre vraiment sans faire exprès. Sans faire exprès, donc t'es à 40 balles. Je vous jure, c'est pas fait exprès. T'es à 40 balles, donc 20 balles intentionnelles, 20 balles, tu t'es fait envoûter quoi. Bah, t'as la main ripée, malheureusement. Niveau 40, les gars, niveau 40, c'est terminé. Sachez que les mecs, ils m'ont dit, genre là dans l'OP, ils m'ont dit monte niveau 30. J'aurais dit, c'est impossible. C'est bon ? J'aurais dit, c'est impossible. Je suis niveau 40. Easy win. C'est cheaté. Bravo. T'as mis combien, Médo ? Moi, j'ai mis 0. Non mais c'est ouf hein. 0-0. Trop sage, c'est pas possible. Oxyac, ça avait combien pour la petite offre? Moi après, vous avez quel âge, Justy? Moi... Ouais, allez, 50 on va dire. Oh là là. T'es sub tier 3 j'espère. Sub tier 2. Mec, t'as mis 50 balles, en vrai c'est toujours pas le prix d'un jeu. Voilà, tiens à le dire quand même. Ouais. Non mais sache que mes 50 balles je les trouve relativement ok par rapport à d'autres... D'autres trucs sans... Et t'es palier combien s'il te plaît là? Moi bah du coup vu que je suis dans le serveur 3, je suis dans le truc de saison, je suis dans la troisième zone de la saison 1 là. Genre j'ai 150 millions de... Et les paliers sont réinitialisés en fait Et du coup moi j'ai combien de power par exemple? Toi là actuellement je vois pas parce que t'es en combat, c'est marqué en haut à gauche quand t'es en train de marcher et tout. J'ai 11630, c'est ça? Non, ça c'est les trucs de tes adversaires. Quitte encore ce menu là et c'est... C'est écrit en haut à gauche. Attends, y'a l'écureuil, il me régale là. Tant pis, je vais te dire ça. J'ai 44811. Pareil à eux, je suis vraiment une noobin. Ouais, c'est ça, là t'as 44000. Ouais, c'est le début quoi. Et toi, t'es à combien, répète? 154 millions, si tu veux, ma Cessia, elle est à 2 500 000 de power. Ouais. Son perso, il fait la puissance de ma team. 154 millions. Mais ça, j'ai pas mis de l'argent forcément sur les persos. Les persos, après, c'est vraiment full pool. Et on prie. C'est des bouquins alors? C'est quoi? Bah, enfin, juste quand. Bah, du coup, plus tu vas monter dans la rareté des personnages, plus ça va te demander de copies. Du coup, par exemple, ma Cessia elle est pas Pandragon, elle est juste avant, du coup ça m'a coûté 7 Cessia. En plus de 7 Cessia. Ah ouais, du coup t'as dû ouvrir des trucs pour avoir plusieurs Cessia, c'est ça? Ouais, beaucoup. Non, ouais, beaucoup. Mais ouais. T'en as quand même... Mec, t'as mis 50 balles quand même, et du coup t'as pu avoir une Cessia niveau combien du coup? Bah là, du coup, j'ai une Cessia suprême. Plus un Tauran suprême. C'est le max, c'est le max. Ouais, juste avant le Pandragon, genre là, c'est pour ceux qui mettent Et moi, je suis quoi? Moi, je suis légendaire. Là, toi, tu es orange, donc après orange, t'as blanc, et après blanc, du coup, t'as suprême. Et après, genre suprême plus, mais c'est un petit palier de plus, c'est là où je suis. Et après, comme je te dis, t'as Pandragon. T'as combien d'étoiles, t'as Cessia là? J'ai ma Cessia 2 étoiles, mais je suis en train de up mon Audi 4 là. Et voilà, mon Audi il est à 13, plus 13. Bon, ça. Pensez que je peux le battre lui là, j'ai envie de le baiser lui là. Lequel? Montre. Le dragon là. Le dragon, bah en fait. Là, je te sors, je pense pas forcément, mais par contre tu peux aller loin avec. D'ailleurs, t'as assez de gemmes pour faire un pool si tu veux, pour faire un tirage. Mais mec, les bouquins c'est que genre en me déplaçant? C'est les combats et les récompenses d'FK et du coup les paliers du boss onirique au début. Ah, et aussi quand tu gagnes dans l'arène, tu gagnes des bouquins, j'ai oublié de le préciser ça, autant pour moi. Donc tu peux toujours essayer de taper un peu dans l'arène, ça te rapporte quelques bouquins. Ouais, c'est sympa de taper dans l'arène. Attends, je vais te dire, on gagne combien vite fait là? Vu que je suis sur le petit compte. Vas-y, de l'équipe. Je suis chaud! Par contre, c'est vrai que j'ai pas 150 millions quoi. Oh, ça m'a pris combien de temps?
Ça fait combien de temps que tu joues ? Bah là, je vais te dire ça, je vois dans mes héros tout disponibles, ça va faire 53 jours. J'ai commencé le jour de la sortie, plus ou moins. Bah, un jour après, je crois. Bah, comme moi, mais moi, je suis vraiment noob, hein. Vraiment. Je suis au niveau 130, je viens de commencer, quoi, quasiment. Mais j'aime trop ce jeu. Vraiment, ça va, c'est... Ouais, moi, c'est moi que je joue. Passer un moment, tu roules dessus. Ouais, je sais que en une journée, avec le même niveau de team, je me suis fait 250 paliers. T'as combien d'heures, t'as combien d'heures Alors, d'heures, je sais pas, parce que je laisse beaucoup le truc tourner. Mais du coup, je suis à 53 jours de connexion continue. Mais genre pas d'heures d'affilée. Ah, ok, donc 53 jours de slash play, d'entre autres. Voilà, c'est ça, genre ça fait 53 jours que je me connecte chaque jour. Ah, ok. Ok, donc là actuellement, l'arène, un combat d'arène te rapporte 3000 bouquins, si tu veux aller en faire un peu. Oh, mais c'est pas suffisant. Bah 3000, c'est pas énorme, hein. C'est pas beaucoup, mais bon, tu prends toujours, parce que du coup, t'as 4 jetons, ça te fait 12000 bouquins, bon. Oh, je suis en train d'atomiser le monde entier. Oh, j'atomise là, les gars. Ben là, vraiment, ben, ah ouais, vraiment là, rien que la Cessia comme ça au début de jeu, elle est très très bien. J'ai eu pareil. Non mais là c'est atomisé, c'est la bombe nucléaire. Là tu roules. Mais là du coup tu vois, t'as pris le fight, t'as gagné 600 bouquins, mais du coup bah tu vois, tu gagnes 2400 de plus avec l'arène pour un combat. Ok, c'est parti, on va tuer des noobs. Et du coup le résultat, ça change rien si je prends un mec toujours moins fort? Bah parfois ça peut te battre. Mais dans ce cas-là, juste franchement, tu perds là vu en fait, tu peux cliquer sur la tête des gens pour voir quel compo ils ont. Oui. Et d'ailleurs, non, je m'en fous. Moi, je les éclate. Et attends, quand tu passes un certain palier dans l'arène, tu gagnes des gemmes. Voilà. Non, mais t'es mal, je suis en train de les éclater. Et en plus, j'utilise même pas ma compo. Voilà, de toute façon, pour l'instant, ça va être tranquille. Tant qu'il y aura pas de Vala. Tant qu'il y aura pas de Vala ou de Hyperien. Ouais, le monde sera paisible. Cessia en face, tu te réveilles. Ah la Vala, la Cessia, tu pleures. Ça c'est ta composition de défense. Donc ça c'est ouais. La composition avec laquelle les gens vont t'affronter. Ah voilà, bon. Je suis passé novice 2, j'ai gagné 800 gemmes. Donc c'est le rang juste après le tien là. Normalement. Plus je gagne, mieux c'est, hein, généralement. Ah ouais. Mais là je prends toujours le mec à gauche. En gros, genre à gauche c'est plus faible et à droite c'est plus fort. Regardez, hein, mais plus. Ouais, mais moi je prends le mec au milieu cette fois là, je vais l'éclater là, ce bouffon. Tu gagnes plus de comment dire, Oui, à droite plus c'est plus facile de gagner. Non, c'est à gauche. À gauche c'est plus facile mais tu gagnes moins. Oui, et à droite c'est plus dur mais tu gagnes plus. Exactement. Faut voir si t'es à un bon niveau pour les battre en fait. Mais je les écrabouille. Je les écrabouille. Voilà, ça dégage. Je les écrabouille. Oh putain. Voilà, on les écrabouille ces noobs. Voilà, on les écrabouille, mec. Laisse à droite au cas où. Pour voir si tu peux les battre. Bien sûr que je l'éclate. Je l'écrabouille. Eh, pep, c'est quoi ça? Après, il a le tank. Ah ouais, bah là, ouais, là pour le coup, il a Thoran. Après, il a Thoran. Je sens que tu peux pas le retour en arrière. Ah bah, il a Thoran, puis c'est Sia, puis c'est Iron. C'est pour ça que c'est important de cliquer sur la tête des gens avant d'affronter. Eh, pep, comment je report? Là, je crois que ça y est, pas idée 4 ans, on va rejoindre la guilde. Il m'a oui, terminé. Vrai, on peut le rejoindre parce que moi j'arrive pas à venir. Il m'a éteint, mais j'ai quand même gagné des bouquins. Narin, et voilà. C'est quoi le nom du camp déjà? FC Narin. FC Narin. Majuscule ou minuscule? Donc c'est en full mage. 16 000 bouquins, mais j'ai rien. Moi j'arrive pas à jouer. 8 dans la guilde. FC Narin, hein, si vous avez oublié. FC Narin, la guilde, les gars. Tout collé. Il reste 22 places. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup les pros. Hein. Merci beaucoup, les gars. Donc voilà.
Avec plaisir. Passez une bonne soirée, merci plaisir. Beaucoup de m'avoir coaché, ça me fait plaisir. Et là, du coup, bah, j'ai monté une Dream Team. Avec plaisir. Et passez une bonne soirée, merci beaucoup. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour aujourd'hui sur AFK Journée, qui est le Game of the Year. Point d'exclamation AFK Journée, déchirez le lien, mesdames et messieurs. Et puis voilà, non, pas mauvais du tout. Pas mauvais du tout, les gars. Pas mauvais du tout. On est dans une récupération que j'adore. Les gars, les menus, je suis amoureux des menus, les gars. Amoureux des menus. Voilà. J'ai même plus envie de me balader dans l'univers, les gars. Je suis amoureux des menus. Voilà, les gars. Montre ID de la guilde FC Narine. Rejoignez FC Narine.